Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Nocturne Jungle. On est avec une Camille, un Aurelion Sol, un Vel'Koz, une Nami contre Darius, Lee Sin, Leblanc, Xayah et Nautilus. Alors, Nocturne, champion que j'ai pas beaucoup joué, enfin, c'est un petit peu mes premières parties avec lui. Du coup, je fais de la flex. Je trouve que c'est plus respectueux quand on teste des nouvelles choses de faire de la flex hein, pour les alliés. Je trouve que c'est plus cool. Mais bon, j'ai déjà fait quelques games avec, j'aime beaucoup, c'est un gameplay qui change un petit peu de ce que je joue d'habitude. Et c'est très agréable, je dois dire, et en plus, on peut aller chercher les kills facilement avec l'ulti et tout, enfin, ça me plaît bien. On va dire bonjour, hop, on est contre un Lee Sin, ok. Et on va essayer d'aller suivre un petit peu le... Alors le Darius est diamant en face, faudra faire attention à pas trop le laisser snowball, c'est peut-être le meilleur de la team. Ok, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire, on n'a pas spécialement de... Ah bah oui. Ouf, ça a failli mal se passer pendant que je regardais pas. Ok, pour l'instant il lâche des trucs. Au final j'ai pris beaucoup, mais ça n'a pas été si dramatique que ça. Mais je me disais, je sais pas pourquoi ils veulent y aller agressif alors qu'en face il y a un Nautilus, hein, ce qui est beaucoup beaucoup plus dangereux en early avec le grappin. Bah au final c'est bien, il y a une Ignite qui a été lâchée, alors je sais pas c'est qui l'a mise. C'est rentable hein, pour je prends un flash sur un support. J'ai pas besoin de back, hein, je considère que je suis safe. Je vais peut-être caler une ward, ça me fait un peu chier de griller ma ward, mais je vais la mettre là. Des fois qu'ils sont encore dans le coin à essayer de m'embêter sur mon début de partie. Je pense que c'est mieux de plus safe de faire comme ça. Hop. Ok, nickel, la petite tête qui me met bien. Au final, je vais finir quasiment full PV après ce premier buff. Hop. Alors, le passif, ça fait que toutes les 10 secondes, sachant que ce délai il est baissé par les auto-attaques, j'ai une attaque qui me régène et qui met des petits dégâts en zone. Donc, voilà. Une fois qu'on a une bonne vitesse d'attaque, ça fait un bon clean et un bon sustain en plus. Très agréable. Pour bon, le reste, je pense que vous connaissez à peu près le champion, quoi, hein, le Q-spell qui fait une zone là qui augmente la vitesse de déplacement, les dégâts d'attaque, qui colle au champion, qui met des petits dégâts. Le Z, ça fait une augmentation passive d'attaque speed et ça fait une barrière anti-sort. Le E, c'est un fear si on arrive à le maintenir. C'est combien de temps? Non, j'arrive pas à regarder et il faut quand même que je m'occupe de mon clean. Toute la durée du sort, ça doit être 2 secondes, hein, ouais. C'est 2 secondes où il faut maintenir la portée, et après le fear c'est 1,25 secondes et ça augmente avec le niveau du sort. Puis l'ulti ça me fait rush vers quelqu'un, bon bref voilà, vous connaissez. Ok, donc Darius qui a déjà pris un petit kill, sachant que ça risque d'être le plus problématique en face. Donc, du coup j'étais concentré sur mes sorts, j'ai perdu beaucoup de PV sur ma jungle, j'ai pas fait un clean ultra propre. Je vais clean ça pour prendre mon level 4 et avoir le fear. Et je vais venir top en espérant qu'il y ait encore un truc à faire. Alors c'est un peu compliqué de, je trouve, le clear parce que en fait il faut pouvoir rester dans la zone. Je vais jamais l'avoir. J'ai hésité à passer par le bas, mais j'ai eu peur que Camille soit morte avant en fait. Ouais, non, ça passera pas. Hein. Je le cancel. J'ai hésité à lâcher le flash, mais j'ai pas de vision sur le Lee Sin. Et même là, ce que je fais, c'est un petit peu dangereux. Ok, le carapateur est encore là. J'aurais aimé que ça se passe autrement, mais. Ok, le Lee Sin est ici. Je pense que j'aurai le temps de finir le carap avant qu'il me saoule. Là, je peux pas trop aller fight pour l'instant. Ouais, non, on va pas aller faire le fou. Oula, oulala. Bon, la Camille est complètement perdue, malheureusement. On va essayer d'aller pas gâcher l'ISP au mid. Ça va être compliqué, hein, le top là. On va juste essayer de ramasser le gros, hein, de pas laisser l'XP partir dans le vide et les golds. Le but n'étant pas de tout prendre à notre mid laner, bien sûr. Donc le Darius, ouais, bah, qui est voilà,
Ça va être un problème, je pense. Surtout que c'est pas le genre de perso que je vais pouvoir éclater direct. Je vais prendre une pink. Je vais essayer de me diriger tranquillement vers le Drake. Mais là. En fait, moi je veux bien la camper, hein, la Camille, pour l'aider, mais elle se donne en fait. Elle avait juste à jouer safe là, bon, elle était dans la merde, elle avait donné un kill. Mais qu'elle remeure juste après dans la rivière, là, je sais pas trop ce que c'était ça, mais. Ça me donne pas envie en fait d'investir du temps et des ressources sur le top. Putain, qu'est-ce qu'il fait le mid là? C'est chaud. Ouais, c'est pas évident tout ça. Il fait quoi? Il back? Bon, là il faut que je récupère encore la wave. Ouais, quoique. Est-ce qu'il a une TP? Non, il a Flash Ignite. C'est en train de me mettre mal tout ça là. Parce que moi je perds un temps fou. Faut que j'aille jungler, mais je veux pas laisser. Bon, ok, je pense que là il va arriver pile à temps pour récupérer à peu près tout ça. Oh putain, le gros qui. Je me voyais plus d'attaque, mais forcément en même temps j'ai un retard énorme dans la game en fait, hein, parce que là ça fait depuis tout à l'heure que je suis en train de m'occuper de mes potes qui sont en train de se faire ouvrir. Il faut que je la joue plus solo avec Nocturne. J'aurais peut-être dû rush le level 6. Parce que là, vouloir aider mes alliés qui de toute façon perdent, je suis en train de prendre un retard énorme. J'aurais presque pu faire le Drake en fait là. J'ai hésité à lâcher le smite sur le gros sbire, j'aurais tellement dû, putain. Allez, j'ai l'ulti. On va essayer de le claquer dès qu'on a une opportunité. Je vais mettre une petite ping par là. Il faut que je regarde le. Je vais dire à mes potes que j'ai l'ulti. Je pourrais tellement aller le mettre au top là. Je vais essayer de venir. Mais je suis à l'autre bout de la map, hein, malheureusement. Pour une fois qu'il y a une opportunité de faire quelque chose. Bon, elle s'est pas fait encore tuer la Camille, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Wow la vache, j'ai cru que j'allais me le prendre. Oh, je voulais flash mais j'ai pas eu le temps. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai un peu tunnel vision sur le Lee Sin, j'ai pas fait gaffe à la botlane qui décalait, et puis je suis tellement en retard maintenant, j'ai tellement pas. Ouais, je suis trop derrière quoi. Beaucoup trop de temps. Par contre, il faut def là, putain, mais c'est quoi cette botlane? Ils font quoi sous la tourelle là? Oh, ça me gave déjà. Ça me gave déjà de jouer avec ça. Bon, allez, on reprend une pink, on y va. Allez, je sais pas ce qu'ils foutent. Ils sont tous les deux full PV. Y'a un Drake qui est en train d'être fait, les potes là. Mais. Alors, je sais pas ce qui est le plus bizarre. Ah oui, ok, ils l'ont, on est d'accord. C'est incroyable hein, ce qui vient de se passer là. Ils en ont rien à faire. En vrai. Ça va être dur hein, psychologiquement cette game là. Alors, j'ai bien envie d'y aller. Nami, tu fais quelque chose peut-être, non? Ouais, c'est même pas la peine. J'aurais peut-être même pas dû lâcher. Bon, je vais essayer de tout prendre, toutes les ressources que je peux. Je donne rien à mes alliés, ça me saoule, ils font rien du tout. Le Drake, ils étaient tous les deux full PV, AFK sous la tourelle, là, j'ai pas compris. Pas compris ce qu'ils ont essayé de faire, c'est très chiant. Allez, on reste positif. On part du principe qu'on n'a pas de team, hein, c'est un peu ça. Bon, il y a le mid qui a l'air pas trop mauvais, et le reste, c'est chaud. Et moi là je suis pas en position de carry hein, particulièrement, c'est ça qui m'embête. On va essayer d'aller choper le Darius. Ok, en plus j'ai pas de raid, je me suis fait niquer partout, j'ai plus rien, nickel. Lee Sin doit être dans le coin je pense.
Allez, le fire est là, on le tourne s'il vous plaît. Ok. Ça va être compliqué, hein. Allez Camille, un petit coup, tu peux le faire. Ah là, j'ai absolument rien du tout, là. Je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu, malheureusement. Pas de farm, pas de team. C'est compliqué. Comment elle peut mourir, là, sérieusement? Oh là là. Ah, quel plaisir, League of Legends. En vrai, après, c'est la flex, hein. La flex, il y a beaucoup plus de disparité dans les levels. Là, il doit y avoir des golds avec nous, je sais pas quoi. Forcément, ça aide pas. Allez, là il tombe le Nautilus normalement. Il est pas censé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils font? Bon, le focus, hein, c'est pas trop ça. Ils s'en sortent bien. Ouf. Je suis vraiment deck pour le Drake. Bon allez, c'était un montagne, hein. Je trouve que c'est au final le moins, moins impactant. Je vais essayer. Bon là j'ai l'ulti. En vrai, normalement là l'ulti je le claque direct sur Nautilus quoi, mais... Ah putain, à chaque fois je surestime la portée de l'ulti. Mais putain la vision les gars, oh. Bon bah je mets l'ulti dans le vide. Je sais pas, juste quand j'allais rush en fait. Bon finalement je l'ai... C'est n'importe quoi. Hein. Juste quand j'allais rush, ils enlèvent la vision dessus. Bon là pour le coup, il fallait qu'ils le sachent. Hein. Merde, c'est le E qui aurait fallu que je monte. Là c'était pas évident à leur place. Je sais pas si j'aurais percuté que j'avais besoin de la vision. Je vais pas les en blâmer. C'est moi qui l'ai mis trop tôt. J'ai souvent du mal à... Je surestime trop en fait la portée de l'ulti. Et du coup ça me porte un peu préjudice parfois. Je vais essayer d'aller choper le raid de Lee Sin là, vu qu'apparemment moi je n'ai pas le droit d'en avoir. Ok, Lee Sin est ici. En vrai, c'est peut-être un peu chaud pour moi là. Hein. Ah j'ai été con. J'aurais dû garder le fear pour Lee Sin bien sûr. Je vais me faire nickel. Bon, on va espérer que ça passe. Ok, attention. J'ai un peu chaté là, hein, j'avouerai. Parce que là, il y a un Lee Sin pas loin. Bon, le blanc, j'essaie même pas de gank, j'y arriverai pas. Je vais aller récupérer mon bleu. Lee Sin qui est déçu. Il passe sur ma ping, est-ce qu'il la voit? Ouais, il la voit quand même. Bon, j'ai vraiment tenté un truc très osé là sur le raid. Bon, j'ai eu du succès, tant mieux. J'ai vraiment pas de stuff, hein. J'ai toujours pas mon item jungler alors qu'on est très avancé dans la game. Je vais venir bot parce que là ils vont sûrement se prendre un Lee Sin. Alors j'ai peut-être mis... Je crois que j'ai mis bouclier anti-sort un petit peu tôt. Hein. Ça aussi il faudra que je prenne l'habitude de faire les choses dans le bon ordre. Bon, on a perdu le mid, je vais essayer d'aller récupérer le Drake. Pas de vision sur le Lee Sin. Je vais essayer de le pull à mon avis, ce sera beaucoup plus safe. Ok, Lee Sin top. Ça c'est une très très bonne nouvelle. J'ai pas de smite. Putain, j'aurais peut-être pu check ça avant, j'abuse un peu là. Ok, on a le Drake, super. Je vais aller récupérer le farm au mid. Il va falloir que je back assez vite quand même là. Ok, le clean commence à être efficace, hein, malgré tout. Je vais juste clean ma blue side, là. Ensuite, je back, je vais faire un clean top. Et je vais essayer de choper le Darius ou de lâcher un ulti si j'ai une opportunité quelque part. Ouais. Camille qui a finalement pas fait... Enfin, qui a réussi à avoir une game quand même. Hein. Au niveau du farm, elle est pas tellement derrière. Elle a quand même pris 2 kills. Elle s'est un petit peu fait gank par le Lee Sin pas mal de fois. Moi, je me suis dit, j'y vais plus parce que je pensais qu'elle allait vraiment. Enfin, moi, je la voyais AFK dans 5 minutes, quoi. Et en fait, elle a l'air quand même d'essayer de jouer. Donc, on va essayer de revenir l'aider. Parce que c'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte hein, quand on est jungler, c'est est-ce que ça vaut la peine d'investir du temps sur telle ou telle lane en regardant un petit peu comment les gens jouent. Et des fois, c'est mieux de pas investir de temps du tout. Je vais prendre.
De l'attaque speed encore. Je vais prendre une lame de roi déchu après. Je pense que ce sera pas mal. Ou alors le... Ouais, le bout du rouleau, ça peut être bien. Ouais, bon, je vais peut-être faire le juste le build qui conseille. Le Shojin, bon, ça, je crois que ça va être enlevé prochaine mage. Autant en profiter pendant que ça existe encore. Oula. Attends, Lee Sin par là. Hop là, ça dégage. Ça va pas me tuer là, d'accord, allez hop. Bon, j'ai réussi à choper l'interruption sur le Lee Sin. Ça me met plutôt bien. J'en avais bien besoin de ça. Je suis quand même pas ultra confiant là pour la suite. Ok, ça c'est cool. On a un petit SS Darius là. On va essayer de clean tout ça. Est-ce que j'ai encore mon raid? Ça me ferait vraiment plaisir de l'avoir, même si j'y crois pas trop. Yes. Mais je l'ai pas dans la vision là? J'ai pas la portée là. Pourquoi j'ai pas pu rush? Je comprends pas. No joke, hein, je comprends vraiment pas pourquoi. D'accord que c'est celle-là. Ok. Bah, là, j'étais sûr que j'avais la portée de l'ulti, là, je comprends pas pour le coup. Je pense qu'il va falloir que je push cette wave. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. J'avoue que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. Ou alors j'étais vraiment à la limite de la portée. Mais putain, la déception quoi. Bon, bah voilà, encore une fois, finalement, je m'en sors pas trop mal. Allez, il faut qu'on jump avec lui. Le fear est passé. Il est mort. Hein. Ah, non, il est fed. J'ai rien dit. Je le voyais mort, moi. Oh, là, c'est quand même quelque chose, hein. Bah, c'est marrant de me dire ça. Moi, je viens l'aider, on tombe dessus. Normalement, il prend le fear. J'y peux rien, en fait, s'il s'est mis aussi bien dans sa game. Hein. Et puis, bon. J'avoue que j'ai beau connaître le champion, là, je suis quand même surpris de la puissance du truc. Bon, on va partir sur une petite Draktar, ça devrait faire le taf. Essayer de choper le prochain Drake, Océan, encore 1 minute 40. Finalement, j'ai pris des petites interruptions, je m'en sors pas si mal. Hein. On a plutôt... Je me demandais, est-ce que je fais plutôt ensuite bout du rouleau ou ange gardien pour le... Pour les un petit peu res magique ou armure, et puis bon, les kills sont à peu près homogènes entre AD et AP. C'est parce que là, il y a du monde, non? Petite pink là qu'on va aller clear. Alors, moi, je suis chaud 100%, hein, mais. Est-ce que je le passe le fear là? Putain, le Lee Sin me rend fou. Oh là là, c'est juste trop de dégâts ça, vraiment. C'est le zoo là. Darius qui est mid, on sait pas pourquoi. Nami qui a pas l'air de trop tenir sa lane. Bon, là c'est moi qui ai été con, hein. il m'a ping. Bon, j'ai voulu y aller, mais j'aurais mieux fait d'aller clear jungle et d'aller prendre les kills un peu plus obvious. Petit peu déçu quand même. Il la récupère finalement là, le blanc? Ouais. Qui c'est qui m'a tué? C'est le Lee Sin. Ah ouais, c'est vraiment le... J'aime pas trop ce genre de burst de dégâts là. Ok, le Vel'Koz qui s'en sort. L'Ignite qui a été lâché, ça c'est une bonne chose. Je vais prendre mon item. Alors, Ignite de Nautilus. Allez, je vais rush le Drake. Ok, Camille qui fait des trucs, GG. C'est bien, un coup elle est pas là, puis un coup elle fait un truc bien, c'est bien, sur la game ça fait une moyenne correcte on va dire. On va essayer d'être positif. Moi du coup bah je suis mort quelques fois comme un débile hein, en voulant vraiment trop aider mes potes. Vas-y je viens. Hein. Go 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 hein, le petit Darius là. Bon allez là je lâche l'ulti parce que sinon je vois déjà venir qu'ils vont être morts avant que j'arrive, hein. je connais maintenant. Alors j'ai pas de smite. Oh là là, j'ai vu ma vie de passer devant mes yeux. Camille qui rush, ok. Qui chase à fond. Bon bah voilà, un coup on a un peu de poisse, un coup on a un peu de chance, un peu de réussite. Donc vraiment, bah c'est ça va, hein, la game est pas si mal. Le problème c'est le Darius, mais là en lui tombant dessus à plusieurs comme ça, ça se passe nickel. Je pense qu'il va falloir que je vienne bot là, parce que ça peut-être mal se passer. Bon, j'ai pas mon ulti.
Allez, go. Ah. Je me voyais tanker et qu'il la tue direct, mais apparemment, c'était un peu utopique. Bon. C'est qui est arrivé? C'est le Darius, là? Ok, je me barre. J'ai pas envie de me faire éclater. J'aurais bien aimé aller faire un petit counter jungle, voler des trucs, mais là, ok, le... Aurélien seul qui s'en sort a priori pas trop mal. Allez, bon, je crois que le Lee Sin va survivre à 3 fois rien, ou alors ça va grid et il va prendre un kill. C'est possible aussi. Qui c'est qui a encore fait des kills? C'est le Darius. Ouais. Ah, le Darius vraiment, vraiment problématique. Il va falloir qu'on prenne de l'anti-heal hein, pour lui. Alors c'est pas trop à moi de le prendre avec mon pick, mais... Est-ce que j'ai un ulti intéressant à claquer là? Bof, pas trop de vision pour l'instant. Oh là là, encore une fois, je veux à tout prix les aider pour pas les laisser tout seuls, mais... Oh, peut-être le... Ouais, Nautilus qui tombe, j'ai même pas l'assist, là, je suis un peu déçu. Faut que je fasse attention parce que le Lee Sin peut me tomber dessus. Je veux vraiment jouer avec eux, mais à chaque fois, les fights sont engagés de manière un peu dégueulasse. Allez, Lee Sin, jump, t'es mort. Non. Le bait n'est pas passé. Bon, je vais aller, peut-être, j'allais dire split, mais est-ce que c'est vraiment mon rôle? Je sais pas trop. En vrai, il me faudra un ange gardien, hein, no joke. Je me prends toujours deux gars d'un coup, ils ont tellement de trucs qui ont des dash, des jumps, là j'avais... J'ai voulu bien faire quoi, clean la vision, prendre le petit carap au calme, mais non, ça a beau être... En sortie de grosse fight au mid, je me prends deux directs dessus, puis c'est deux bursts de type assassin à moitié, donc forcément, sur un perso comme moi, ça fait mal. Qu'est-ce que je vais me prendre? En vrai, il me faudrait un ange gardien, je pense, hein, mais... Bon, allez, on va y aller à fond. Je vais prendre du vol de vie, je pense que ça pourrait peut-être me sauver la mise dans certaines conditions, là, du vol de vie. Là, voilà, ils vont encore se donner un par un. C'est tout le temps ça, en fait, hein. Camille, pareil, qui va crever. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué, tout ça. Bon, je crois que la game, là, voilà... Alors un petit souci. Je commence à avoir un peu de dégâts moi, mais bon je suis fragile. Hein. Et là, comme ils sont tout le temps en paquet, ça m'aide pas vraiment. Darius qui est tellement solide, on pourra pas lui faire grand chose. Faudrait qu'on soit au moins 3 dessus, je pense, pour le tomber. Et là, bah fatalement c'est compliqué. Ouais, ça va être pour ma pomme, ça. Je vais courir tranquille. Je vais aller split un peu, peut-être. Je sais pas. Peut-être que sur un malentendu, il peut se passer quelque chose. Là, je suis un peu blasé de fight avec eux, en fait. J'ai pas trop le perso fait pour, quoi. Je suis chaud d'y aller, mais il faut pas que je sois tout seul, quoi. Voilà. Je savais qu'au moment il pourrait se passer quelque chose. Il suffit juste de prendre le fight correctement, hein. Allez, il faut que je le fire. Ah, bah voilà, je savais qu'on pouvait faire des trucs. Allez, Nash, maintenant. On s'en fout de la tour, on la prendra plus tard. Bon, Camille, prend la tour si tu veux. Là, c'est un H qu'il nous faut. Alors, au niveau du tank, je suis pas ultra solide. Ça ne mange pas des masses de me le prendre, j'avouerai. Smite à 760. Je sais pas si je suis dans la zone de mon Q-spell. Ok, hop. La tourelle qui est prise. Allez, Drake. Tous au Drake, s'il vous plaît. J'ai pas envie qu'on le perde. J'aurais été plus chaud qu'on y aille tous en même temps, mais bon. Alors là, du coup, le truc, c'est que j'ai pas de smite. Hein. Il faut le pull, hein. Ok, très très bien.
très très bien ça. Bon, le Nocturne il fait un peu chier. Vel'Koz, ok. Le Nautilus, pardon, je vais y arriver. Prends le bleu, Vel'Koz, NP. Est-ce qu'on a des trucs à def en particulier? Pas tant que ça pour l'instant. J'ai bien envie de lâcher un petit ulti sur la Xayah là, mais j'ai pas de vision sur le reste et j'ai beaucoup de gold. S'il te plaît, joue safe, mon pote. Je veux juste être sûr que je me sois pas fait nickel raid. Go. En espérant juste que... Ah bah oui, j'adore quand je suis en clic comme ça, dans un bush, et que ça me met à taper une ward alors que j'avais un kill, quoi. Ça, c'est un plaisir, hein, vraiment. Bon, je vais back, j'ai pas mal de gold. On s'en sort bien, hein. On s'en sort bien. Qu'est-ce que je vais prendre? En vrai, de l'armure, hein, là, ça va être... Non, je pense que... Ouais, Ange Gardien au bout du rouleau pour mes deux derniers items, ça me fera un build, voilà, avec des bons dégâts, un tout petit peu solide quand même, juste pour pouvoir tanker un tout petit peu. Et il y a moyen que ça le fasse, hein. Bon, je suis... Ouais, ça va, hein, on n'est pas si mal, on est à peu près even, au final. On a 3 Drakes des océans, ça, c'est vraiment beaucoup. Eux, ils ont un montagne, bon, c'est un peu de la merde, hein, par rapport à des océans. Surtout par rapport à 3 océans. Est-ce qu'il y a besoin d'aide au bot? Je vais essayer d'y aller. Un petit peu chaud, peut-être. Ok. Vas-y, viens, mon pote. Non, ok. J'étais prêt à le recevoir. Je me voyais tellement le tuer. En vrai, s'ils veulent continuer... Putain, je suis deck, je crois que j'ai mis le Fear, je l'ai pas mis sur Lee Sin. À 3 fois rien, je l'avais quoi. À l'aide. Ok, le pass il fait claquer. Très très bien ça. Très très rentable. Je commence à avoir des bons dégâts, une bonne régène. Je tiens un peu, hein. Carapateur qui risque... Oh, je vais la choper. Elle a plus de passif là, hein, donc normalement... Mais elle tombe là. D'accord. Alors ça va probablement me tomber dessus. Allez, on va essayer de fuir. Ok, c'est un Darius. Mauvaise pioche, je ne me bats pas contre ça. En vrai, barrez-vous. Hein. Prenez le raid, ensuite faut push, là il faut split. Ils sont tous au bot. Ah, bon, ils y vont ensemble. Ah oh, putain, ils se font péter le raid. Comment ils peuvent se le faire prendre là? Allez, j'arrive. J'arrive les potes. Ils tombent Darius un jour ou comment c'est là? Ça peut aller très vite. Ah, c'était mon kill, ça. Bon, on s'en sort, hein. C'est un petit peu hasardeux. J'ai l'impression que les fights sont toujours pris un petit peu au pif, mais... Bon, bah, tant qu'on les prend et qu'on sort positif des échanges, ça me va très bien. Je serais d'avis à dire split, là, non? En vrai... Alors pour une raison mystérieuse, c'est Nocturne qui tank. Alors on est sur un kill à 100 gold, hein, quand même. Pas très en forme, notre ami... À l'aide. Ok. Bon, j'aurais très envie d'y aller, mettre le petit coup qui fait la diff, mais je sens que si je veux me battre, je vais juste crever, donc je vais aller me régénérer et essayer de split, hein, puisque apparemment on n'arrivera pas à finir ici. C'était pas loin, hein, mais je pense que là, vraiment, je me prenais un coup de Darius, j'étais mort, donc... Je suis pas ce genre de joueur hardcore qui, avec 2 PV, va essayer de faire des outplay, des trucs comme ça. C'est clairement pas mon style. Hop. On va voir si on peut aller choper, au moins mettre de la pression. Bon, j'aurais bien envie de back avec les golds que j'ai, mais là, je pense qu'on peut finir. Comment ça se passe pour mes potes, là? Hop là!
Bon, bon, finalement, bon, on a eu un début de game un peu compliqué, en partie à cause des prises de décision un petit peu bizarres de mes potes, et peut-être des miennes aussi, qui n'ont pas forcément été optimales. Mais on s'en sort bien. On va mettre l'honneur à, je sais pas, à Namish. Je crois qu'elle elle m'a sauvé la mise peut-être une fois ou deux. Ok. Bon, ma petite game sympa, sans prétention. Mais j'ai quand même bien pesé, je trouve, hein, au final. Ouais, si on regarde les golds, le KDA, je pense que j'ai fait... J'ai fait un bon travail sur cette partie. Quelques ultis qui n'ont pas été très très bien placés, que j'aurais peut-être pu un petit peu mieux utiliser. Bon voilà, encore je découvre le perso, donc c'est normal aussi qu'il y ait des petits ratés par-ci par-là et qu'il y a peut-être des opportunités qui n'ont pas été prises. Mais voilà, malgré un début compliqué, on a surmonté et puis on a eu quelques combats en team qui se sont bien passés et on a vraiment pu faire le rouleau compresseur derrière. Et on gagne la partie comme ça. Et finalement, le Darius qui n'aura pas posé un problème plus que ça. Bon, en même temps, il y a eu des moments où il était un petit peu seul contre tous, donc forcément, ça aide pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.